Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Allegria Real Estate. Mon nom est Lisa Ducourneau. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière puisque nous avons un intervenant, une intervenante avec nous, Karine, qui est courtière en prêt hypothécaire et qui va nous parler un petit peu du processus du prêt en Espagne. Bonjour Lisa, merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis Karine, ça fait plus de 30 ans que je vis ici en Espagne. J'étais pendant 20 ans directrice de banque. Et il y a à peine 2 ans, j'ai décidé de monter ma propre entreprise pour pouvoir aider tous les clients étrangers à avoir leur crédit hypothécaire ici en Espagne. Je pense que la première question à se poser, ça serait tout d'abord comment on ouvre un compte bancaire ici en Espagne. Donc la différence un petit peu entre les personnes qui sont européennes et les personnes qui sont non européennes. Eh bien, pour ouvrir un compte bancaire en Espagne, il sera indispensable d'avoir sa carte d'identité. Et surtout, le dernier avis d'imposition. D'accord ? C'est très important pour les banques de savoir que notre client paie fiscalement ses impôts dans son pays de résidence, ce qui sera vraiment indispensable. Donc ça, c'est la même chose pour les personnes européennes et non européennes ? Oui, pour tous les clients. Hein, pour tous les clients. Si c'est dans la zone euro, ça sera beaucoup plus facile parce qu'il n'y aura certainement pas besoin d'une traduction. Mais si c'est en dehors de l'Europe, il y aura en plus d'apporter l'attestation d'avis d'impôt, il faudra apporter la traduction passée par un juriste. Un traducteur assermenté. Merci. Donc pour ouvrir un compte bancaire ici en Espagne, vous devrez passer par le blanchiment des fonds, puisque si vous ouvrez un compte bancaire, c'est que vous avez ici un projet d'apporter des fonds sur le compte. Et pourquoi nous devons passer par le blanchiment des fonds ? Bah justement, parce que toutes les banques vont demander, quand vous achetez une maison, ou qu'on soit ou pour l'apport d'un crédit hypothécaire, les banques vont demander d'où proviennent les fonds. Donc si ça vient d'une vente, il faudra apporter l'attestation de vente. Si ça vient d'un héritage, les documents de l'héritage. Si vous avez fait des économies durant 10 ans, de pouvoir montrer que ça vient de vos économies, ce document-là sera obligatoire pour pouvoir ouvrir le compte bancaire et surtout pour pouvoir transférer les fonds pour l'achat de la maison. Donc depuis votre compte finalement dans votre pays de résidence à votre compte espagnol, il faut qu'il y ait une transparence des fonds entre Exactement. Les banques, que vous soyez résident de l'Union européenne ou non. Oui, pour oui, toutes oui, les oui, personnes. Oui, pour tout, pour Ça, tout c'est, le monde. C'est vraiment oui. obligatoire. Oui. Super. Petite précision pour le transfert des fonds, donc de votre compte de résidence à votre compte espagnol, il faut que les fonds donc, soient dans une devise qui est acceptée par l'Espagne, donc soit le dollar américain, canadien ou bien le zloty polonais, le livre sterling, la couronne, toutes les couronnes danoises, suédoises et norvégiennes. Et l'euro, bien sûr, bien évidemment. Et sur toutes les devises qui ne sont pas celles-ci, il faudra que vos fonds soient convertibles dans une de ces devises pour qu'elles soient acceptées par l'Espagne. Oui. Donc la prochaine question serait finalement, peut-on avoir un crédit ici en Espagne ? Oui, bien sûr, c'est possible. Les banques, d'ailleurs, espagnoles sont très bien préparées pour pouvoir financer l'étranger en Espagne. On a quand même une très grande côte méditerranéenne et on a même des directeurs qui parlent le français, l'anglais, le norvégien, toutes les langues. Et oui, il est possible d'avoir son crédit hypothécaire sur la maison qu'on achète ici en Espagne. Donc les conditions, ça serait finalement qu'une des devises mentionnées précédemment oui. soit utilisée. Oui, 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 toujours dans l'euro, dollar américain, dollar canadien. Du Canada et les autres devises, oui. Ok. Et du coup, finalement, quelles seraient les conditions d'obtention d'un prêt hypothécaire ici en Espagne ? Alors, les conditions pour avoir un crédit hypothécaire ici en Espagne, on ne pourra pas demander plus d'un 70% sur le prix de la maison, le prix sans les frais, le prix hors taxe. C'est très important de pouvoir calculer aux clients quels sont les frais de l'achat et après de pouvoir déduire ce 70%. Il ne faudra pas dépasser le 35% du fameux seuil d'endettement. Okay. Il fait un petit peu peur ce mot, mais c'est vraiment très facile à calculer pour nous. On est spécialisé dans les crédits hypothécaires. Donc le 35%, ça va être de prendre toutes les dettes de notre client, tous les crédits de notre client dans son pays où il réside. Dans les crédits, on parle du crédit maison, un crédit voiture, mais aussi si vous n'avez pas de maison dans votre pays d'origine et vous payez un loyer pour pouvoir vivre, il va falloir qu'on prenne aussi ce paiement mensuel, d'accord, sur le total des revenus de notre client. Et pour cela, on aura besoin de documents que par la suite, je te dirai plus en détail.
Et ne pas pouvoir dépasser le 35%. Le 35% du total dette en calculant aussi le crédit hypothécaire ici en Espagne. Bien sûr, tous les projets. Exactement, plus le crédit en Espagne, et sur le revenu total de nos clients, s'il est tout seul ou s'ils sont deux à acheter. Ok, et la durée maximale finalement de ce… 20 ans maximum. On a quelques banques qui tirent sur 25 ans, mais en général, on va sur 20 ans maximum. Donc, nos clients à partir de 55 ans peuvent avoir toujours 20 ans. On arrivera jusqu'aux 75 ans à la fin du terme du crédit hypothécaire. Mais si notre client arrive à 60 ans, il faudra réduire ses 20 ans à 15 ans. Donc forcément, si on réduit la durée du prêt, on augmente les mensualités. Qui dit augmenter les mensualités, augmente le taux d'endettement. Donc, il faut bien faire le calcul. Et c'est là qu'on est là. On est là pour aider et pour le calculer, justement. Bien sûr. OK. Et du coup, il faut aussi, bien sûr, disposer des fonds propres. Ah, bien sûr, bien sûr. Du 70% dont je parlais juste avant, que les banques arrivent aux 70%, une maison coûte 100 000 euros plus les frais, la banque va pouvoir vous financer 70% plus de savoir si vous avez les fonds disponibles. Si vous n'avez pas les fonds disponibles, ça va être impossible de pouvoir demander un crédit hypothécaire. Bien sûr. Donc, il faudra avoir le 30% plus les frais qui occasionnent l'achat de l'appartement. Bien sûr. Aucune banque ici n'accorde que ce soit les frais de notaire, les frais d'agence, les frais annexes tels que les frais d'avocat, etc. Mmh. Ça, c'est vraiment les fonds, vos fonds propres qui vont financer finalement ces frais annexes-là. La banque va uniquement regarder le montant cadastral de la propriété et faire son pourcentage sur-dessus. Et c'est pour ça qu'on est là aussi, parce que quelquefois, on calcule selon les fonds disponibles du client. Bien sûr, d'accord, combien. De pouvoir savoir quel est le montant de la maison qu'ils peuvent acheter aussi. OK, super. Donc, pour obtenir ici un prêt en Espagne, finalement, quels sont les documents qu'il faut fournir à la banque ? Alors, les documents dont nous aurons besoin pour pouvoir étudier le crédit hypothécaire seront la carte d'identité, le NIE, le numéro d'identification d'étranger que normalement l'avocat va pouvoir vous procurer, et le contrat d'achat si vous l'avez déjà et la provision des fameux fonds que nous disions avant, de savoir d'où provient l'argent que vous allez utiliser pour pouvoir acheter votre maison. Après, si vous êtes salarié, on demandera votre contrat de travail et votre dernier avis d'imposition et les trois derniers bordereaux de salaire. Si vous êtes indépendant, les banques auront besoin de savoir la continuité de votre business, de votre travail. Donc, elles nous demanderont les trois derniers avis d'imposition. D'accord. Okay. Et si vous êtes retraité, si vous arrivez à l'âge de 60 ou 62 ans, vous pouvez avoir un certificat de votre retraite. Je pense que ça vient à l'année. Et le dernier avis d'imposition. Super. Pas plus. C'est pas énorme non plus. Très important. Non, pas plus. Je me suis complètement très, très, très important pour tous les pays d'origine. Okay. Il y a un document obligatoire qu'il faudra apporter. Pour les Français, c'est le FICP, qui est le fichier des incidents de crédit par la Banque de France. Ça se fait une demande en ligne. Pour les Belges, francophones ou pas francophones, mais de la Banque centrale des crédits. D'accord ? C'est un document qui aidera les banques à savoir les crédits que vous avez dans votre pays. Ok, ça marche. Donc, on a vu à peu près quel pourcentage les banques pouvaient prêter, mais il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Alors, justement, ce pourcentage, il est lié à quoi ? Est-ce qu'il est lié au profil bancaire de la personne ? Qu'est-ce qui influe sur ce pourcentage par rapport aux banques ? Alors, cette question, très bien. Très bien, Lisa. Alors la question, c'est pas vraiment que ça dépend du profil du client, d'accord ? Okay. Nous, en tant que courtier hypothécaire, quand le client nous fait la demande et qu'il veut vraiment un 70%, c'est vrai que là on tire un petit peu l'élastique, parce que normalement, en général, toutes les banques ici en Espagne peuvent financer pour la zone euro jusqu'à un 60%. D'accord. D'accord ? Nous, on est spécialisés dans le crédit hypothécaire, si le client a besoin d'un 70%, on sait à quelle banque nous diriger pour faire cette demande de 70%. Parce que le 70% va vraiment dépendre de la politique de la propre banque. D'accord ? Okay. Donc, toutes les banques ne travaillent pas à 70%. De plus, pour la zone euro, oui, 60-70%, on pourra y arriver. Mais si on parle quelquefois d'une autre devise comme le zloty
ou les couronnes norvégiennes ou suédoises, quelques banques arriveront à 70%, d'autres banques iront jusqu'à 50%. Donc, dans notre conversation avec le client, on pourra définir vraiment s'ils ont besoin d'un 70%, on ira... Vers quelle banque se tourner. Exactement. Si c'est à 50% ou à 60%, le client recevra beaucoup plus d'offres de banques, puisqu'il y a beaucoup plus de banques qui rentreront pour ce profil. Ok, d'accord, ça marche, intéressant. On nous dit beaucoup ici, oui, mais les étrangers, au niveau des taux hypothécaires, ils sont moins avantagés que les Espagnols. Qu'est-ce que tu réponds? Alors oui, il y a vraiment beaucoup de clients qui me font la même question tous les jours. Il n'y a pas de désavantage pour un étranger de prendre un crédit hypothécaire ici en Espagne. On travaille avec le RIBOR. Le RIBOR est le taux d'intérêt que toutes les banques vont utiliser. Le taux d'intérêt entre les grandes banques européennes qui se prêtent de l'argent. Donc, ce taux-là va être le même pour un Espagnol que pour un étranger. Donc, il n'y a vraiment pas de différence. La seule différence vraiment importante pour l'étranger et l'Espagnol va être le pourcentage de financement. D'accord ? Avant, on parlait du 70% maximum. Il est vrai que l'Espagnol va pouvoir avoir un petit peu plus de financement, jusqu'à 80, quelquefois, un 90% sur le prix de la maison. C'est vraiment la grande différence entre l'Espagnol et l'étranger qui fait sa demande ici en Espagne. Parce que c'est plus safe, entre guillemets, enfin, c'est plus pour les banques de pouvoir prêter à un Espagnol, parce qu'il est sur le territoire, il paye ses impôts. Exactement. Il est salarié généralement, donc ils ont plus de... Et aussi, parce que vraiment la différence entre le 70 et le 80, ou le 60-80 et 70 et 90, il faut comprendre aussi les banques espagnoles, c'est souvent l'achat, ce n'est pas une maison pour vivre toute l'année, c'est une deuxième résidence, donc une maison de vacances. Donc, ils demandent un petit peu plus de fonds à apporter pour l'achat. Ok. Du coup, finalement, la prochaine question, ça serait à partir de combien on peut demander un prêt hypothécaire? À partir de quel montant? Alors, en général, les banques peuvent prêter jusqu'à 50 000 euros sur une maison. 50 000 euros. D'accord? Ok. Nous, en tant que courtier hypothécaire, il est vrai qu'une fois de plus, on arrive à savoir les banques qui peuvent aller minimum à 30 000 euros. Mais en général, un prêt hypothécaire se fera à partir de 50 000 euros. 50 000 euros minimum. Minimum. Alors, préciser. Ok. Donc ça va être vraiment le montant minimum. Donc si vous souhaitez une opération, par exemple, si vous souhaitez un appartement à 50 000, ça va être un petit peu juste. On y arrive. On arrive. Mais je parle vraiment en nombre général. Hein, d'accord. 50 000 euros. Depuis la nouvelle loi de 2019, la nouvelle loi hypothécaire en Espagne, tous les frais de notaire, registre, du crédit hypothécaire, pas de l'achat de la maison, du crédit hypothécaire, notaire, registre et l'impôt sur ce crédit immobilier, ce sont les banques qui sont obligées de le payer. D'accord. Ça n'est pas un frais pour notre client, c'est pour les banques. Donc les banques, quand elles nous voient arriver avec un crédit hypothécaire, elles nous mettent déjà un petit prix dessus, donc il y a un minimum. Il y a des banques qui travailleront avec 50 000, je connais des banques à partir de 75 000, et d'autres banques qui nous prendront le crédit immobilier un petit peu plus petit de 30 000 euros, à partir de 30 000. Ok, donc c'est intéressant pour tout le monde, puisque même avec un projet d'investissement pour un petit bien, vous pouvez, si vous avez bien sûr les conditions qu'on a citées juste avant, demander un crédit ici hypothécaire en Espagne. Oui. Donc vous allez très certainement me demander, Mélissa, pourquoi devrais-je utiliser les services d'un courtier hypothécaire en Espagne ? Magnifique question, bien sûr. Ben écoutez, parce qu'on est spécialisé dans le crédit hypothécaire, d'accord ? Moi, souvent, quelquefois, je le dis aux clients, non ? Je dis, si on a un problème à la maison de plomberie, si on a un problème d'électricité, si on a un problème de voiture, ma voiture est en panne, moi, j'ai un mari merveilleux qui me dit, ouais, c'est bon, c'est moi qui va le réparer. On est tous connaissants, on sait tous ce que peut être un crédit hypothécaire, mais souvent, nos clients ont fait un crédit hypothécaire, deux dans leur vie. Donc, moi, si ma voiture est en panne, je vais chercher le mécanicien, même si mon mari regarde le moteur et il sait certainement d'où ça vient. Moi, je pense que c'est la même chose pour un crédit hypothécaire. On est très utile pour le client. On est son premier contact, souvent avant l'achat, d'accord ? Parce qu'on est vraiment là pour faire une étude de faisabilité avec notre client, savoir s'il peut payer 300 euros, 400 euros, 600, 700 tous les mois, si c'est faisable pour eux, s'ils ont les fonds. Et on peut même leur définir vraiment leur projet qu'ils vont avoir avec vous, avec l'agent immobilier, de savoir le prix de la maison qu'ils vont acheter. Après, on est beaucoup plus rapide aussi. Si notre client est rapide à nous apporter tous les bien documents, sûr. Nous,
on se dédie à ça, donc on est là tous les jours en contact avec les banques. Selon justement le profil du client, on pourra envoyer le dossier à 3 ou 4 banques en même temps. On est là pour proposer non seulement de dire à notre client que le prêt est approuvé, bien sûr, mais aussi de pouvoir lui offrir 3 offres différentes de banques différentes. Donc le client aura le choix dans les offres, de voir le taux d'intérêt d'une banque, d'une autre banque et aussi quelquefois des produits que quelques banques peuvent avoir. L'assurance maison va être obligatoire, mais l'assurance vie ou d'autres produits qui vont vouloir faire avec ce client-là. Donc le client pourra choisir son offre. On sera beaucoup plus rapide pour le client. On a quand même besoin de 6 à 8 semaines pour un crédit hypothécaire. Donc quand le client est tout seul ou il fait la demande seulement à une seule banque, il est obligé d'attendre la réponse de cette banque-là. Donc nous, normalement, quand on envoie notre dossier complet, on est au bout de 72 heures, je vais dire 5 jours maximum si on est en pleine saison, non de, mm-hmm. comme je dis, de crédit, que la banque nous répond. Donc on peut déjà passer l'offre à notre client. Donc on est rapide. On peut faire que le client, que ce soit un 0,20, un 0,30, et je vois même des 0,50% de différence entre taux d'intérêt, le client, ce qui est énorme, à la fin de son prêt, va pouvoir économiser énormément d'argent. Et puis de plus, parce qu'on va être sa personne de contact depuis bien le sûr. Début jusqu'à la fin, jusqu'au moment de la signature. Donc oui, moi, je recommande de passer par les services d'un courtier hypothécaire. Et puis, vous êtes là sur place tout le temps. Oui. Généralement, les clients ne sont pas là ou viennent pour nous rencontrer, mais après repartent dans leur pays de résidence. Et nous, on s'occupe et tu t'occupes aussi oui. vraiment de tout, que ce soit bien sûr à distance. Pour parler au niveau de la zone géographique, Karine, toi, tu es basée donc sur Orihuela Costa, où nous oui. sommes actuellement aujourd'hui. Mm-hmm. Et quel est ton cercle un petit peu de... Province d'Alicante, la province okay. d'Alicante et Murcia, hein, parce que Murcia est tout juste à côté. Okay. Après, ça dépendra aussi, je ne sais pas, hein, si Lisa, tu me fais une blague à Valence. Si notre client est représenté par son avocat à Valence, on pourra s'en occuper aussi. Hein. Ok, ça marche. Et je veux juste revenir sur le point que tu as dit au tout départ, qui est très intéressant, je pense, pour nos clients qui nous regardent, c'est que tu fais des simulations de financement en amont du projet. Et je pense qu'il est très important pour toutes les personnes qui souhaitent avoir, que ça soit un petit crédit ou un plus gros, d'avoir tout d'abord la faisabilité du projet et oui. d'avoir l'enveloppe. Et je remets oui, et un point aussi, très important dessus. J'insiste parce que c'est un service gratuit, d'accord ? Donc, c'est important pour le client, c'est important pour nous aussi de savoir si on aura un futur client, d'accord ? Si le prêt est faisable, bien si sûr. C'est viable. Sinon, ça ne va pas être possible. Mmh. Mais ça ne va pas être possible non plus pour le client de pouvoir acheter. Donc, moi, c'est je ça. Recommande quand même au client de nous faire un petit appel, de s'ouvrir avec nous. On a souvent besoin d'une... Première conversation téléphonique bien sûr. D'un quart d'heure, 20 minutes. On demande quand même pas mal de données à notre client. Mais si on voit que les fonds sont là, qu'on ne dépasse pas le 35% du seuil d'endettement, que ça ne va pas à plus de 70% sur la valeur du bien qu'ils veulent acheter, moi, je leur recommande de passer par nous. Eux, ils seront certainement plus tranquilles pour faire l'achat bien et sûr. De savoir que le prêt sera approuvé ici en Espagne. Et après, s'ils veulent prendre nos services, eh ben, nous, on sera enchantés de pouvoir les aider jusqu'à la fin. Bien sûr. Mais au moins, ça vous permet, pour tous ceux qui veulent faire un crédit, d'avoir votre enveloppe et de chercher votre projet, votre bien avec l'esprit serein, de se dire, OK, techniquement, on peut emprunter et on peut avoir un projet global pour 200, 250 000. Et moi, je suis là pour vous trouver votre pépite à 200, 250 000. Mais au moins, on est tous sur un socle et sur une base commune. Et pas sur un petit peu du flou en se disant je ne sais pas trop combien je peux emprunter, je ne sais pas trop si j'ai le droit à un emprunt. Au moins, Karine est là en amont de votre projet. Encore une fois, la simulation est gratuite. C'est important, ça ne prend pas longtemps à faire. Mais au moins, ça vous permet d'avoir l'esprit clair et de partir sur votre projet en ayant connaissance de votre enveloppe. Oui, très important. Merci beaucoup, Karine, d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Très important. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent
et qui passent par ces questions-là, hein, qui se demandent toutes ces questions de crédit qui nous paraissent peut-être simples ou non, mais qui sont très importantes. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez la moindre question, que ce soit Karine ou que ce soit moi, nous serons là pour y répondre. N'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez besoin des coordonnées de Karine, je serai très heureuse de vous les transmettre. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos. Aimez cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hasta pronto!